Hop là, allez, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ben c'est le tournoi final de la Champions Cup 1 organisé par Wolfastrix sur le site Hearthstone Deck et ce sera contre Wolfastrix qui avait gagné je crois la première édition du tournoi donc c'est le premier round ce sera un BO5 et je vais l'avertir que je suis prêt. On va pouvoir lancer. Donc je vais pas forcément beaucoup regarder ce que vous racontez sur sur Twitch parce que bah, forcément c'est un tournoi. Alors bah, je vais devoir me concentrer 2 minutes pour bah, pour pas trop misplay. Et on va voir ce qu'il va me proposer en face. Donc bah, je vous invite aussi à éviter de me donner des conseils, ce serait pas forcément extrêmement fair play pour mon adversaire. Hop, ça c'est parti. J'ouvre avec chasseur parce que chasseur c'est le bien pour ouvrir. Et si je n'ouvre pas avec chasseur, j'aurais ouvert avec un contre au chasseur. Et c'est ce qu'a fait Wolfatrix. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Pas forcément extrêmement bien engagé dès le départ. Je pense que je vais garder mes petits drops et je verrai bien. Après, chasseur, ça peut voler des games, hein, genre de l'espace. Bon, on verra bien. On verra bien. Juste mettre le champ de bataille en ordre. C'est important. C'est très faible comme ouverture contre un guerrier, je vais être honnête. Je le sens très mal cette première game. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Il a un sous-chef cruel, donc bon, bah, je perds ma rampante. Je gagne. Ah, je perds ma tisseuse pour gagner une rampante. Je pense que Tisseuse est un play qui se joue. Parce que ben, s'il me la prend pas, derrière j'ai maître chien. Il va me la prendre, hein, il est pas débile. Mais ça me paraît faisable. Voilà, il va me la prendre. Et là, s'il met une hyène, c'est presque perdu en fait. Bon, il met pas d'hyène. Donc ça va. Alors, ça c'est un play obligatoire. Et je pense que je vais piécéter l'amasseur de butin. Histoire de mettre un maximum de pression. La morsure de la mort qui va au tour suivant raser mon board. Hein. Et il me laisse vraiment aucune bête. Il joue donc tout à fait juste. Avancer dans le pack. Bonsoir Zelgien. Toi qui aimes le fail, tu risques d'en voir ce soir. Il n'y aurait rien d'autre à jouer. Le problème c'est que je peux pas casser son armure ce tour. Sortez vos morts. Ah si je peux parce que j'ai voir en fait. Bof. C'est pour ça que tu viens me voir. Comme d'habitude, ça fait plaisir en tout cas. Cairn. C'est ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais aller chercher mon piège. Parce que je sais lequel c'est. Et là, on est bien. Hashtag, on est bien. Salut, Cyclope!
Merci. Hashtag on est bien. Kern qui remonte. Alors, j'ai échangé une 2-2 contre un tempo. Hein. C'est pas forcément oufissime comme play. Là, il va shit slam probablement. En tout cas, on va voir ça. Mais ça me paraît probable. C'est pas encore dramatique si je shit slam. Visiblement, il l'a pas, s'il l'aurait déjà fait. Et bonjour à Brelmin qui nous rejoint. Ok, bon ben ça. Alors qu'est-ce que je vais avoir envie de silence dans un. À peu près rien en vrai. Je continue à casser l'armure, donc ça me va. Il a beaucoup de cartes en main, mais j'ai un bon board. Je veux pas. Pourquoi je silence ça? Parce que je veux pas qu'il puisse exécuter ma 6-5 pour un mana tour d'après. Un crash vase, alors bon, bah forcément. Ça va me ralentir pas mal. Alors, il va exécuter quand même. Donc, bon, bah, vous voyez. Ça avance doucement, mais ça avance. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas forcément convaincu que je suis vraiment frais. Hein. Il a encore beaucoup, beaucoup de cartes en main. Sylvanas, c'est relativement mou. S'il peut exécuter le Fossoyeur, c'est mieux. Mais là, je crois que je finis en fait. Les chiens sont de sortie. Bien joué. Un peu d'overkill, désolé. J'ai pas fait avancer mon fait gaffe. Bon, bah ça fait 1-0. Hop, je dois garder mon deck, il va devoir changer. C'est King of the Hill. Hein. Ça s'est vraiment bien mis. Vraiment bien mis quoi, la 6-5 qui reste sur le board, il n'arrive pas à la tuer facilement tout de suite, ça m'a vraiment bien mis, très très bien. Et contre un prêtre, donc c'est de nouveau pas forcément le meilleur des match-up, mais bon, on va devoir faire avec. Hein. C'est une main qui skip, elle est ouf ma main. Alors, si j'étais sur la pièce, elle était débile. Là, elle est forte. Ah, me fait taunt. Bon, ça a pas l'air d'être de son genre de le faire. Hein. De le faire méchamment. Merci. Hop, on va jouer tranquille. Hein. Mode slow move. Enfin, slow move. Non, je fais une sortie de, je fais une sortie débile. Hein. Voilà, je fais une sortie débile. J'ai du café plein la moustache, c'est très désagréable. Là, je fais une sortie vraiment débile. Je vais être honnête. S'il a pas de quoi, voilà. Bon, ça se plaît là. Et là, tu lui dis, vas-y, rase mon board, copain.
J'ai deux rip-hop, un piège qui se met, ma 4-5 elle reste et j'ai une carte en main. Par contre, je suis complètement all-in. Je suis complètement all-in. Folie de l'ombre. Ah, c'est fort ce play-là. Ah, j'aurais été tapé dans la 2-2, histoire de pouvoir la finir après coup. Je peux faire un jet de besoin. Imbécile. Oh, bon. J'avoue, là, elle était un peu crade. Mes excuses. Ouais, non, il va raser le board. Hein. Ça me dérange pas tant que ça. Parce que là, ça prêterait si je peux aller la chercher avec ça. Je vais draw pour voir. C'est pas mal. Et si lui reste sur le board un tour, c'est un scandale. Mais ça va pas rester. Ça va pas rester. Ça va rester que Pouic. Je pense que c'est le bon play. D'où je vais la chercher. Tant pis pour le piège, hein, mais il peut faire trop de magie avec ça. Horeb. Gnome lépreux. Ah, mais il me l'a piqué. Il me l'a piqué le gnome lépreux. Je me demande. Les chiens sont de sortie. Mode all-in. Complètement all-in. Mais tu ne prendras pas ma 8-7 comme ça. Tu vas devoir la tuer autrement. Alors, visiblement, il a de quoi. Là, il va devoir envoyer son gnome lépreux, voir que ça va remonter. Où est-ce qu'il veut remonter son Horeb et me tuer avec le gnome lépreux? Non, ça me paraît pas un bon plan. Parce qu'il peut pas le rejouer de toute façon, donc voilà, ça va être board vide. Et j'ai le létal. Et je fais des sorties de port. Je fais des sorties de port. Je vous jure que si je pouvais juste sortir comme ça quand je fais du ladder, je me sentirais beaucoup mieux. J'ai donc 3 balles de match. Et ça va être un miroir parce que nous n'avons pas d'âme. Alors, en miroir, qu'est-ce qui se keep? La fusée éclairante se keep. La chouette se keep. Le savon fou. Non, je veux des compagnons animaux. Bon bah je rêve ou je viens de virer un maître chien et un savon fou pour récupérer un maître chien et un savon fou. Voilà, je l'aime pas lui. Donc déjà, ta gueule, hein. J'ai envie de dire, fossoyeur, tu te tais. Il a le deuxième, je trouve que c'est scandaleux. Je vais me faire défoncer. C'est moi qui me fais défoncer ce game. Hop. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Allez, je vais me faire. Mais... ouvrir en deux. Non, t'aurais dû me bourrer d'abord. Bon, toi, t'as un bol de cocu, hein, mais bon, du coup. Ça n'a pas vraiment atteint la cible.
On va faire ça comme ça. Il peut me le prendre gratos, mais... Ah, il joue lâcher les chiens. Tu vas avoir une drôle de surprise. Ah ouais, t'es obligé. Hein. Et derrière, tu peux pas bourrer. Ah, il met la tisseuse. Ah oui, pour garder son... Ouais, il a un sacré board. Hein. J'aurais peut-être pas dû la poser. Là, je suis pas vraiment... Non, ça, je pense que c'est un misplay de la poser. Ok, la deuxième tisseuse... La deuxième... Voilà, et c'est les points qui vont commencer à s'accumuler, là. Ça va, c'est honnête, lui. J'attends. J'ai un chaton qui vient me dire bonjour. L'arc corne d'aigle. Et le loup alpha. Il joue une liste assez perso, j'ai l'impression, mais ça peut vraiment bien marcher. Hein. Il n'y a pas de souci. Il va venir à l'aggro parce que ben voilà, il a que ça à foutre. Hein. Si je puis m'exprimer ainsi. Les chiens sont de sortie. Zalgiri t'a dit bonjour, Mimi. Sur moi ou sur... Non, ok. Ça remonte. Donc il a une petite araignée. Bah il va la replay. Hein. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Salut Théagle Killer. Bonjour à toi. Oh, ça, ça pique ça. Ah, c'est une bête alliée. Sans déconner, c'est une bête alliée. Le play était tellement fort. Je vais probablement loose sur lui. Du coup, je suis obligé de voir de chercher. Non, ça va vraiment pas le faire. Sortez vos morts. Nul ne passera. Est-ce que je peux gagner une course dans cette affaire? Imbécile. J'ai pas vraiment l'impression, mais bon, on va essayer, hein. J'ai pas le choix de toute façon. Ouh là là. Deuxième, elle va faire trop mal. Bien joué. Non, on peut pas la gagner celle-là. C'est à son tour de faire une sortie débile. Lui, il a vu ce qu'il voulait, hein, les 6-5, et moi j'ai vu mon chevalier noir qui sert à rien. Alors, une liste qui défonce ce zoo. Enfin, ce zoo, ce chasseur, je pense que c'est prêtre. Faut espérer que ça se mette bien. Oh,
avance. La lumière nous apportera la victoire. Je garde pas cercle de soins, je vais garder le silence. Double croque zombie, c'est à peu près ça qu'on voulait voir dans les deux premiers tours. Oula. Je fais une bonne sortie. Je fais une bonne sortie. Ah, j'espère juste que ça va suivre. Voilà, rampant tenté. Est-ce que j'aurai une meilleure cible à silence? Je suis pas stress. Hop. J'aurai des meilleures cibles à silence. Bon, là, la Artemis, par contre, on se voit plus mon jeu. Alors, c'est un peu problématique. Bon, elle ronronne tout ce qu'elle peut, mais elle est quand même devant mon écran. Hein, ça fait. C'est dur. Ouais, bah, il vient à l'aggro, hein, forcément. Les damnés se tiennent prêts. Viens prendre mes crocs zombies, hein, t'inquiète pas. Ils sont là pour ça. Un compagnon animal, lui, il fait mal. J'aurais pas forcément joué comme ça. Mon destin est scellé. Chaque fois, je dois me pencher comme ça pour voir le bouton fin de tour parce qu'il y a le chat qui est devant. Et si je commence à me battre avec le chat pendant le stream, on s'en sortira jamais. Vous connaissez la chanson, hein. Je ne me bats avec mon chat que si j'y suis obligé. Je vais juste prendre deux, ok. Pas de bol, ça c'est triste quand ça vous arrive. Hein. Et là, j'ai pas forcément besoin de réfléchir 20 000 ans. Hein. Faut spammer les crash vases et puis hashtag on est bien. C'est pas mal ça. Il va le buter derrière. C'est toujours ça que je prends pas dans la figure. Hein. Surtout, il va s'en prendre un deuxième quoi. Et ça, c'est triste. Mon destin est scellé. Non, en fait, hop, je lui le donne maintenant, et puis comme ça, voilà, on commence à avancer dans les dégâts. Les chiens sont de sortie. Ça c'était moche, c'était tellement moche. Mon destin est scellé. Ah, j'aime bien le Crash Vase, il a vraiment une voix géniale, cela dit. C'est exactement ce que je ressens, parce que là, ça s'est tellement bien mis. Il a pas lose, hein, parce que j'ai vraiment pas eu de draw du tout, cette game, même. Et il a lâché les chiens, donc on sait que lâcher les chiens, ça fait de la magie. Maintenant, dans sa liste, est-ce qu'il a la place de jouer les lâcher les chiens et les marques, et tout ce qu'il joue à côté, parce qu'il joue quand même les 4-3, les 2-6-5. Ah bah, il joue les marques, donc il va lâcher les chiens.
Ah, il joue sanglier. Et arc corne d'aigle, ok. Bon, je vais reprendre deux, hein, mais ça c'est... C'est hashtag je suis un chasseur. Une rampante que je vais me contenter de d'ignorer, tout simplement, je pense. On va lui prendre deux cartes, hein, voir ce qu'il vient. Est-ce que j'aurai jamais une bête, hein? À votre tour, mon destin est scellé. Les chiens sont de sortie. Ok, il y jouait les deux quand même. Là, ce serait un petit sort, ce serait pratique. Ouais, mais il a pas de cible valide, je peux pas le jouer. Mon destin est scellé. En fait, c'est le péon des morts vivants, lui. Maintenant que j'y pense, c'est le péon des morts vivants. Mon destin est scellé. Bien combattu. Bien joué. Victoire 2-1. 3-1. 3-1, pardon. Merci Zelgir. Allez, le prêtre qui a fonctionné. Juste parfait, quoi. Juste parfait, ce prêtre. Ah, la misère. Bon, bah, c'était pas mal. On n'a pas fait un stream très long, du coup, hein. Il est quelle heure? 21h21, ça fait... Ça fait quelques 20 minutes que je joue. Moi, bah, je pensais que ce serait un peu plus longuet. Bah, merci, Wolf. Hein. Également, merci pour l'organisation du tournoi. Ça fait super plaisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais m'arrêter là pour le stream ce soir. J'ai une réunion après avec le staff de POFR. Et du coup, ben... Du coup, je vais... Ça va trop me prendre la tête, donc... Je vais vous laisser là. Ceux qui auraient raté un bout peuvent le retrouver sur la chaîne YouTube. Bon, merci à tous, hein. Cyclope, Zelgir, Brelmin... Tagle Killer, désolé ton pseudo que j'écorche un petit peu. Et merci encore à Wolfatrix hein, pour l'organisation et pour ce match. On se retrouve bientôt, hein, je pense que dès la semaine prochaine on va restream un petit peu. Sinon demain je stream du Pass of Exile, donc si ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à passer. Je sais pas encore si ce sera là ou sur POFR, on verra. Merci tout le monde, passez une bonne fin de soirée et à très bientôt.